Savez-vous que vous pouvez être infecté par l'épidémie de coronavirus sans actuellement contracter le virus? Voici les symptômes. Combien en avez-vous? La corona cornea vous fait voir de sinistres ombres partout. Les tours 5G, les fuites de laboratoire, une pandémie planifiée. Rien de tout cela ne peut être réfuté. Tout ce que vous pouvez faire est de simplifier les explications. Mais avec la corona cornea, qu'importe la quantité de lumière que vous recevez, il y a toujours une nouvelle ombre. L'œil jaune nous fait apparaître terrifiants auprès des étrangers. Nous pensons qu'ils sont porteurs du virus et ignorons le plus grand danger, les porteurs dans notre milieu. Ils peuvent être vous-même sans que vous ne le sachiez. Le seul remède est un test viral à grande échelle. Le charme de l'huile du serpent, les colporteurs proposent leurs élixirs magiques, allant des boissons aux herbes de Madagascar aux médicaments non testés. Les remèdes miracles sont sous votre évier, à proximité de vos brosses à toilettes. Malheureusement, il n'y a aucun remède miracle. Nous devons attendre les scientifiques. Le doigt du Covid, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Cette épidémie est comme un feu géant. Certaines personnes tentent de l'éteindre, d'autres ne font que critiquer. Il y aura beaucoup de temps plus tard pour apprendre de nos erreurs. À présent, allons travailler. Le bug du millénaire, une crainte de voir arriver la fin du monde. D'abord le coronavirus, puis le changement climatique. Peut-être que la douleur nous fera comprendre que les villes, les pays et même les régions peuvent coopérer pour écraser le danger. Le monde est confronté à de nombreux problèmes. Nous ne pouvons les ignorer, mais ils ne partiront pas. Un certain nombre de nations et régions ont montré que les gens peuvent travailler ensemble pour suivre un plan basé sur la science et l'emporter. Mais être égoïste et ignorer la science mène à la catastrophe. Travailler ensemble, faire des sacrifices personnels et avoir confiance dans l'expertise scientifique, tout cela portera ses fruits.